les supplices. Les larges coutelas et les minces couteaux, férocement luisants, rayés d'éclairs brutaux, savamment effilés pour les lentes tortures, ont le filet bréché d'atroces dentelures. Pour mieux scier les chairs et détacher les peaux, et découper avec d'effroyables repos, longuement, en faisant dans l'ombre une assouvie, vaciller sans l'éteindre, une flamme de vie, jusqu'au dernier lambeau de leurs muscles détruits, les ventres convulsifs ouverts comme des fruits, les tenailles dont les mâchoires courbées bâillent, ressemblent à d'odieux scarabées, et miroitent à l'air d'un éclat singulier. Cet tas de reins luisants et l'atroce atelier, où l'on forge l'horreur des souffrances hurlantes, où l'affreux patient, fou de tortures lentes, appelle le trépas qui vient, à pas tardif, arracher l'âme au fond des corps écorchés vifs, comme du cœur lépreux d'une infâme blessure, un fer tout dégoûtant d'abjecte pourriture. On s'exhale la vie en un rugissement de joie, où la douleur est un enfantement, où des corps dépecés caroisent l'agonie, des intestins fouillés, écaillés de sani, et des nerfs écrasés sous les ongles vibrants, s'évadent, avec des cris d'angoisse déchirants, la dernière lueur de ce qui fut un être. Comme des dogues noirs guettant le front du maître, cette meute demeure immobile, épiant, de Chine acquis horrible silence effrayant. Mais les grands parasols frissonnent sur sa tête. Mais voici ce qu'au roi d'Achour dit le prophète.